Yes, I Rastafari. Je vous donne rendez-vous sur reggae.fr. Tiken Diafra Kodi, Africa. C'est le dernier rappel du vol 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 Africa. Dans cet avion, il est écrit qu'on doit arrêter de commander Babylone donne, Babylone ordonnera toujours. Dans cet avion, il est écrit, arrêtons de tendre la main, qu'il faut travailler pour sortir ce continent du trou. C'est le dernier rappel, du vol Africa. C'est le dernier rappel, du vol Africa. C'est le dernier rappel. Du vol Africa, c'est le dernier appel. Du vol Africa. Je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence à se réveiller. Il y a urgence à mettre les enfants à l'école. Il y a urgence à se mettre au travail. Il y a urgence à faire de l'agriculture pour s'autosuffire sur le plan alimentaire. Il y a urgence à tous les niveaux. Donc surtout qu'aujourd'hui, avec le monde qui a changé, avec le moyen de communication, avec beaucoup de choses, je veux dire, on n'a pas besoin de se taper dessus aujourd'hui. Et donc, voilà, il y a urgence. Je pense qu'il est important de toujours appeler à la mobilisation autour du continent africain, autour de l'unité. Parce que c'est ça qui va faire que l'Afrique va gagner le combat. Tant que les pays africains resteront comme ça, des petits pays, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, ils ne pourront rien contre l'Union européenne ou les États-Unis, qui sont 52 pays ou 28 pays ensemble. Donc voilà, c'est ça un peu le message de l'album. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa. Le changement, il viendra que des Africains. Il faut que nous profitons de la démocratie, que s'il y a un président qui est élu, il faut que tout le monde le respecte en tant que président de la République, que vraiment il soit critiqué, effectivement, qu'on dénonce des choses qu'on n'apprécie pas, mais qu'il reste quand même le président pour que lui aille nous défendre. Regardez comment les choses fonctionnent. En Occident, sur le plan démocratique, on ne dit pas que la démocratie c'est le top. Je pense que même Hitler a été élu par le peuple. Donc il peut y avoir des accidents de circulation. Mais pour le moment, on n'a pas encore eu un système qui est pour moi au-dessus de la démocratie, mais qui est mieux que la démocratie. Donc voilà, aujourd'hui j'appelle à les Africains à respecter les institutions, parce que c'est dans la stabilité que tout le monde sera tranquille. Parce que si vous conduisez une voiture, que vous n'êtes pas sûr de votre fauteuil, vous êtes obligé de vous concentrer sur le volant et sur le fauteuil. Donc du coup, la concentration risque d'être un peu à 80%, alors qu'on a besoin aujourd'hui que nos chefs, nos présidents se concentrent que sur le volant. Aujourd'hui, quel que soit ce qui va se passer ici, peut-être une révolution contre François Hollande, mais dans les sondages, il va baisser, il va monter, etc. Et il est sûr qu'il n'y aura pas de coup d'État, qu'au moins il va atteindre ses 5, voilà. Donc il est sûr que voilà, il doit se concentrer sur le volant. Il n'a pas besoin de se concentrer sur le fauteuil. Voilà. Il faut embarquer pour Africa. Il faut embarquer pour Africa. Embarquer pour Africa. Embarquer pour Africa. Voici l'avion de nos espoirs, de l'avenir de nos gamins, de ceux qui de la propre main voudront construire demain. Rejoins l'avion, pas de retard, je n'appelle pas pour rien. Il est temps fait que s'envole notre destin. C'est le dernier appel du vol Africa. La révolution arabe, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, ce qui s'est passé en Égypte. Mais je pense que les Tunisiens sont sur la bonne route, parce que quand on fait une révolution, il y a plein de choses. Il y a tout un processus derrière pour arriver à la stabilité totale, à la démocratie totale, etc.
Mais les Égyptiens, ils ont pris le pouvoir avec les militaires, ils ont donné à les civils, après ils ont repris avec les civils, ils ont donné aux militaires. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner là-bas. Mais je pense qu'actuellement, nous n'avons pas besoin de révolutions de ce genre. Le monde a changé, les moyens de communication existent aujourd'hui, donc on n'a pas besoin de se taper dessus, on n'a pas besoin d'aller casser les boutiques, aller casser les trucs. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de se rassembler autour d'un objectif et d'aller manifester sans casser et se faire entendre. Et c'est vrai, je pense que tout combat important, tout combat qui reste dans le temps, qui pose un acte important, il y a des sacrifices. Hein? Il y a des sacrifices. Je pense que dans l'histoire de la France, il y a des gens qui ont pris des risques et qui sont entrés dans l'histoire. Aujourd'hui, les Français parlent du général de Gaulle. Aux États-Unis, Martin Luther King, les Noirs des États-Unis, même le monde entier parle du combat mené par Martin Luther King. Ça a été un risque, ça a été un sacrifice, etc. Et aujourd'hui, je pense que même tous ceux qui ont fait des choses, qui ont apporté des changements dans ce monde, ils ont pris des risques, ils ont fait des sacrifices. Donc, je pense qu'il y a une notion de sacrifice, effectivement. Je pense qu'on doit faire des sacrifices, on doit garder notre dignité, rester unis et mener le combat ensemble. Dans cet avion, pas de passeport, aucun papier n'est demandé. Seulement votre volonté de voir ce continent sauver. Bouger, c'est le dernier appel. Vive l'Afrique. C'est le dernier appel. Vive l'Afrique. C'est le dernier appel, du vol Africa. C'est le dernier appel, du vol Africa. Il faut embarquer, embarquer, embarquer pour Africa. Embarquer pour Africa. Embarquer pour Africa. Il faut embarquer, embarquer, embarquer pour Africa. Embarquer pour Africa. Embarquer pour Africa, il faut embarquer, embarquer, embarquer pour Africa, embarquer pour Africa, embarquer pour Africa, il faut embarquer, embarquer, embarquer pour Africa, embarquer pour Africa, embarquer pour Africa, Rastafari, Africa.